Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana ou, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Je voudrais commencer mes propos en présentant mes sincères remerciements au directeur général sortant, M. Eudes Lajoie, pour sa franche collaboration et sa sensibilité pour le secteur de gestion des déchets solides. Il a fait preuve d'esprit d'ouverture en facilitant la concertation avec d'autres acteurs pour garantir les résultats obtenus dans le renforcement du système de gestion des déchets solides en Haïti. Mais on sait en même temps qu'il ne s'agit pas d'une tâche facile et il y a encore du travail à faire. Mesdames, Messieurs, la gestion des déchets solides comme service public relève de la responsabilité de l'État. Et c'est le principal mandat du SNGRS, qui est le Service national de gestion des résidus solides, qui doit assurer le leadership de manière à garantir l'élimination de la prolifération sans précédent des détritus dans les rues, avec l'appui des acteurs impliqués dans la gestion des déchets, se basant sur des stratégies permettant de développer des filières économiques axées sur la valorisation. Monsieur le directeur général, votre engagement à la tête de cet organisme renforcera l'espoir et témoignera de votre conscience sur la nécessité d'une bonne continuité pour une gestion plus harmonieuse des déchets dans nos communautés. Comme vous le savez, ils sont partout. Ils sont dans nos rues, dans les marchés, dans les places publiques, dans les stades, un peu partout. Également chez nous. Qu'il me soit permis de vous rappeler que le SNGRS a pour mission, comme prévu dans le décret de loi organisant le ministère de l'Environnement en son article 86, de gérer les déchets solides, médicaux et à haute toxicité, d'assurer la coordination, le contrôle des différents opérateurs et entités œuvrant dans ce secteur d'activité et de promouvoir des habitudes responsables chez le citoyen dans la protection de l'environnement. De ce fait, les différentes initiatives de gestion des déchets en cours demandent l'accompagnement du SNGRS, que ce soit en matière de prescription technique, de normes et de suivi évaluation pour garantir une gestion plus durable et efficiente des déchets en Haïti. Aussi, le SNGRS doit-il jouer son rôle de facilitateur et de régulateur dans les différentes étapes de gestion des déchets auprès des structures tant étatiques que privées qui interviennent dans le domaine. Monsieur le directeur général, j'en profite pour vous exprimer ma disponibilité et mon engagement à vous accompagner. En tant que ministre de l'Environnement, dans cet objectif commun, que l'amélioration du cadre de vie de la population. Le gouvernement attend beaucoup de vous parce que nous parlons à la fois d'une question de santé publique, une question très sensible, mais également une question de création de richesses. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, on ne peut pas voir les déchets uniquement comme déchets, quelque chose à jeter dans un coin, mais également une richesse potentielle à mettre en valeur, à exploiter.
Et le gouvernement, comme je disais tantôt, attend vraiment beaucoup de vous. D'abord, votre capacité à interagir avec votre personnel, à travailler main dans la main pour une institution forte qui délivre. Parce que, comme je disais aussi, quelque part dans le discours, il s'agit d'une question de service public. Alors, au nom du gouvernement Moïse Jute, que j'ai l'honneur de représenter ici, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à la tête de cette noble institution SNGRS. Soufflez pour moi juste le temps d'exprimer ma plus profonde gratitude envers le grand architecte de l'univers pour sa miséricorde et sa bonté envers ma famille et moi. Aujourd'hui, il me revient encore une fois de plus le privilège de continuer à servir mon pays à la direction de cette noble institution qu'est le SNGRS. Je tiens à remercier le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, le premier ministre, son excellence Monsieur Jude Joseph, pour la confiance placée en ma personne pour diriger le service national de gestion des résidus solides dans un contexte où la gestion des déchets dans nos pays reste et demeure un grand défi et une grande opportunité, comme a dit le ministre. Monsieur le ministre, je suis honoré que vous ayez voulu procéder à mon installation en tant que directeur général du SNGRS. Je peux vous assurer que je m'appliquerai à remplir cette fonction sous votre tutelle et votre appui éclairé avec la plus grande perspicacité. Je remercie aussi mon prédécesseur, M. Eudes Lajoie, pour la qualité de son travail au sein de l'institution au cours des 15 derniers mois. C'est avec beaucoup d'humilité que je prends l'engagement solennel de mettre tout en œuvre pour aider à la création d'un environnement propice aux innovations et répondre efficacement aux énormes exigences du moment. Conscient de la dimension de mes nouvelles responsabilités et convaincu que cet ensemble que nous allons permettre au SNGRS de surmonter avec succès les grands défis du moment. Je m'engage aujourd'hui à travailler avec rigueur et discipline pour fournir les résultats tangibles. J'inscris toutes les responsabilités que cette équipe aura à entreprendre dans ce secteur dans un cadre transparent et non discriminant. Chaque action importante fera l'objet de débats et de discussions pour aboutir à des décisions pertinentes et acceptées par tous les secteurs. Chers collaborateurs, chères collaboratrices, nous n'avons pas de baguette magique. La tâche ne sera pas facile, comme vient dire le ministre. Mais je suis certain, avec votre collaboration effective, cette institution va faire différence et reprendra sa mission de gérer les déchets solides, médicaux et à haute toxicité, d'assurer la coordination, le contrôle des différents opérateurs et entités œuvrant dans ce secteur d'activité et de promouvoir des habitudes responsables chez le citoyen dans la protection de son environnement. Rien de grand ne se fait sans passion. Je suis un passionné du travail bien fait. Je crois fermement que ce secteur peut aider au développement socio-économique du pays. Je serai un directeur général ouvert aux employés, au dialogue. Tous les acteurs du secteur et l'écoute et à l'écoute de la population. J'assumerai une gestion saine et transparente des ressources de l'institution. Le respect de la loi sera ma seule et unique boussole. Monsieur le ministre,
Je vous remercie encore pour votre temps. Je remercie également vous tous ici présents pour votre soutien, pour vos engagements, et vous demande également de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, afin qu'il me guide et me dirige dans mes actions. C'est un dossier qui a rapport avec, comme on se souligne, il y a une propriété Fonds et Baptiste qui est située à Belleville, dans la commune de Pétionville. Il a semblé que Monsieur Louis de la Joie, l'ancien directeur général, a pris possession de Fonds et Baptiste sur base ayant récépissé que Lydi et J.I. Tabalé. Et premièrement, permettez-moi de clarifier pour vous et pour tout le public là que le fait pas en contribuer à quelconque, il y a un récépissé dans la main, qui a un rapport avec le droit de fermage, pas fait de monde ça, le fermier de l'État. Vous voyez ça? Parce que la loi tracée très claire, dans le décret du 22 septembre 1964, les formalités à remplir, c'est-à-dire la loi tracée, la procédure à respecter pour que y ait un monde capable de venir fermer l'État. Première étape dans la procédure, ça, c'est adresser une demande de fermage au directeur général. OK? Et puis ensuite, la direction générale, là, après analyse et recommandation de direction compétente, capable d'instruire la direction du domaine ou l'y procéder à l'émission de autorisation d'apprentage. OK? Ensuite, bon, une fois que l'autorisation d'apprentage est maintenant la direction du domaine est capable de procéder aux opérations d'apprentage. Après quoi, l'apprenteur des GIO est capable de laisser un procès verbal d'apprentage au nom du bénéficiaire. Ensuite, au serveur d'apprentissage, ça, il vient pour lui enregistrer et transcrire dans la direction de l'enregistrement et de la conservation foncière dans la commune côté bien située. C'est au terme de l'étape SAO que l'autorisation de paiement a sorti, OK, pour demander bénéficiaire là aller payer droit de fermage auquel il est assujetti au fermage là. Et dernière étape là, c'est lorsque le GI lui-même est délivré à bénéficiaire là le procès verbal d'avantage qui dit que OK, c'est fermé de l'État. Maintenant, dans le cas qui nous concerne ici, c'est-à-dire dans le cas de M. Lalfroy, eh bien, le CPC, ça que l'IGNA maintenant, il ne peut pas répondre aux conditions et aux formalités établies par la loi. D'accord? Maintenant, le fait que les contribuables, comme on l'a dit, gagnent un CPC de la DGI Namel, pas fait de Monza fermé de l'État. Si l'émission, autorisation de paiement, ça n'est pas respecté les formalités et les conditions telles que stipulées dans le texte qui a rapport avec la fermage des biens du domaine public de l'État, en l'occurrence le texte du 22 septembre 1964. Si récépissé n'est pas respecté les formalités telles que décrites dans la loi,
eh bien, émission précipité ça, il fait dans des conditions frauduleuses. En conséquence, la Direction générale des impôts, qui se veut une administration morale, qui se veut une administration responsable, a déjà diligenté en enquête administrative pour déterminer la responsabilité des agents impliqués dans l'émission de ce récépissé. Et à l'issue de cette enquête, maintenant, les sanctions telles que prévues par la loi, notamment par le décret portant révision du statut général de la fonction publique, a pas appliqué dans toute leur rigueur contre l'agent SARO qui passait outre des normes et procédures de la loi pour permettre récépissé ça maintenant personnalité qui nous décide au début. Et qui sanctionne, oui, qui prévoit pour sinon. Bon, dans le décret relatif au statut général de la fonction publique, sanctions yo aller de bon du coup un éventail de sanctions qui allait de avertissement jusqu'à la révocation. Maintenant, après rapport d'enquête administrative là, suivant la nature des faits, eh bien l'administration lui va appliquer la sanction appropriée. La sanction appropriée. Sans préjudice, permettez-moi, sans préjudice des poursuites judiciaires. Ça veut dire que si infraction qui commet là, en plus de sanctions administratives, demandées pour nous transférer le dossier à la justice, eh bien, c'est ce qu'a fait. Est-ce que ça va veut dire que, en clair, DG décline toute responsabilité dans le dossier ça? C'est évident. Et c'est raison ça qui fait que nous l'avons dit, hein, parce que DGI voulait que les clés dans la tête tout le monde que il n'y a aucune responsabilité dans ça qui fait là. Ok? Que par conséquent, la prend les mesures administratives appropriées contre agents qui transgressaient normes et procédures établies par la loi. Nous rassurer le public là. Que la Direction générale des impôts, en tant que administration d'État, en tant qu'institution régalienne, les renouveler dans le public là, ok, engagement, assurance, pour les respecter le droit à la propriété privée, ok, parce que le droit à la propriété privée, c'est un droit qui garantit et par la Constitution et par les lois de la République. On peut quand même dire, suivant les données statistiques actuellement disponibles, oui, c'est porté assez bien, on m'a dit très bien. Ok? Nous, par exemple, si vous voulez sauver quelques chiffres, on est capable de les partager avant. Par exemple, au cours du premier trimestre, nous collectons environ 1,656,000,000 de gouttes en plus par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire en glissement annuel au premier trimestre de l'exercice 2020-2021, nous collectons plus que 12 milliards de gouttes pour le premier trimestre seulement. Ok, alors que pour l'année dernière, pour le premier trimestre de l'année dernière, nous avons collecté environ 10 milliards de gouttes. Donc, ouais, en glissement annuel, nous presque fait 2 milliards de gouttes en plus par rapport à l'exercice antérieur. Par rapport aux prévisions de l'année en cours, de l'exercice en cours, nous collectons plus que 90% de la cible. Et encore que c'est des données partielles et provisoires. Ok? C'est des données partielles et provisoires.
Parce que quand on est DGI, il est réparti sur tout le territoire république là. Ok, nous avons des bureaux, des points de perception éparpillés dans tous les coins du pays. Donc, il y a des données, il y a grand temps pour que. Ça a augmenté, c'est ça que je veux dire. Si pour l'instant, données provisoires, il y a un niveau de performance qui est au-delà de 90%, ça veut dire que lorsque nous avons des données complètes, ok, on a presque à 100%. Et c'est l'occasion aussi pour que nous demandions de contribuer à nous, pour que nous continuions à faire preuve de service fiscal. Ça veut dire pour que nous venions faire déclaration à temps, venions payer à temps. Ok, de quoi pour que l'État soit capable de gagner suffisamment de ressources pour répondre à l'obligation liée envers les membres de la communauté, les citoyens. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour être capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable joindre nous, son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.